Alors, je vais répondre rapidement aux différentes interventions des groupes. Je remercie tous les orateurs qui se sont exprimés. Madame Ducrot, à l'instant, qui a rappelé à quel point la région parvient à être aux côtés des Franciliens grâce à une bonne gestion qui lui permet d'avoir des ratios qui sont particulièrement solides. Je remercie Jacques-Yves Bobot également qui, au nom du groupe Île-de-France Rassemblée, a su souligner à quel point, malgré une situation nationale et internationale particulièrement complexe, la gestion responsable et méticuleuse de l'exécutif régional et de la majorité régionale permet aux Franciliens d'avoir du service, d'avoir de l'efficacité, d'avoir un cap qui est tenu malgré des engagements de l'État qui ne sont malheureusement pas au rendez-vous, à la fois sur la CVAE, sur la péréquation, sur le niveau des recettes, parce que contrairement à ce qu'a dit M. Batty, malheureusement, je vous rappelle, M. Batty, que non seulement les recettes ne sont pas au niveau de l'inflation, mais elles sont même inférieures à leur niveau de 2019. Donc depuis 2019, si nous avions eu des recettes supérieures à l'inflation, nous serions déjà largement revenus bien au-dessus. Je dois dire également que j'ai été un peu surpris par l'intervention de Madame Chikirou qui indique que la région aurait besoin de payer les agences de notation pour avoir des bonnes notes. Je vous rassure, Madame Chikirou, je crois que ça n'est pas nécessaire. Notre bonne gestion nous suffit à avoir ces bonnes notations. D'ailleurs, j'observe que, heureusement que nous avons une bonne notation à la région, puisque dès que la notation est moins bonne, comme celle dont vous avez parlé pour Île-de-France Mobilité, vous ne manquez pas de le souligner. Vous devez faire partie de ces gens qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Si je devais utiliser... Je parle de votre philosophie politique, Mme Chikirou, et je ne crois pas vous avoir interrompu. J'imagine que ce que je vous dis vous dérange plus que ce que vous m'avez dit sur le compte administratif, puisque sur 1300 lignes dans le budget, vous n'êtes intervenu finalement que sur un seul exemple qui malheureusement n'était pas approprié, puisque sur les lycées, je suis obligé de vous rappeler, comme je l'ai fait déjà en commission des finances, que nous sommes à plus de 90% d'exécution sur cette ligne. Donc si je devais utiliser la lettre F pour décrire la gestion de la région, je dirais plutôt F comme fiable, F comme financièrement fort, F comme friand de votre prévisibilité, parce que vous intervenez finalement toujours de la même façon, et F comme farouchement décidé à continuer à agir au service des Franciliens. Et d'ailleurs, j'observe que cette gestion, elle est saluée même sur les rangs de l'opposition, puisque peut-être c'est ma façon de voir le verre toujours plutôt plein, mais Madame Malaisé a parlé de notre bon taux d'exécution, a salué finalement, à travers son intervention, c'est comme ça que je le prends, des dépenses de personnel particulièrement bien contenues, un très haut niveau d'investissement. Et sur les lycées, ça me permet de rappeler également que nous sommes à 100 millions d'euros en maintenance. En 2015, nous étions à 70. Donc j'ai envie de dire à vous sur cette remarque, comme à M. Germain, je ne sais pas si vous trouvez que notre niveau d'investissement est mauvais, mais il se trouve qu'il est 50% supérieur à ce qu'il était quand vous étiez aux responsabilités. Donc si nous sommes mauvais... Avec un tiers de moins, j'imagine que vous estimez que la gestion à laquelle vous avez participé était certainement calamiteuse. J'ajoute que sur l'intervention de M. Batty, j'y reviens. M. Batty, lui aussi, finalement, nous a dit que tout allait bien. Donc j'imagine qu'il entendait par cela saluer notre bonne gestion. Mais si tout va bien, c'est loin d'être... grâce au soutien de l'État qui malheureusement n'est pas au rendez-vous de ses engagements. J'ajoute que sur l'environnement, vous avez cité un chiffre, je suis obligé de vous rappeler que conformément à l'engagement que nous avions pris, les dépenses en matière d'environnement représentent plus d'un euro sur deux
dépensés par la région Île-de-France. Quant au fonds européen, je serai amené à y revenir dans l'amendement qui sera présenté tout à l'heure, donc je réserve ma réponse pour tout à l'heure. Quant à l'intervention de M. Valrande-Saint-Just sur le quotidien des Franciliens, vous savez, le quotidien des Franciliens, il est tel qu'ils ont décidé de nous renouveler très largement leur confiance il y a moins de 2 ans. Ils vous ont placé en Île-de-France à un niveau particulièrement bas, c'est-à-dire s'ils considèrent que les solutions que vous proposiez n'étaient pas à la hauteur, ni sur le fond, ni sur la forme. Enfin, sur le crédit aux entreprises, il a en réalité augmenté de près d'un tiers par rapport à la situation antérieure au Covid. C'est sûr que si on compare à des chiffres où les aides automatiques de l'État étaient intégrées, il y a forcément une comparaison qui n'est pas très flatteuse, mais la réalité est que ce soutien a massivement augmenté. Enfin, Madame Senet, je ne reviendrai pas sur votre propos introductif. Elle s'est absentée, mais je suis sûr que ses collègues lui transmettront. Mais finalement, je voudrais retenir une chose, c'est que vous-même, peut-être de façon inconsciente, vous avez parlé de trop bonne gestion. Je crois que la gestion régionale ne sera jamais trop bonne, car face aux défis qui nous restent à relever au service des Franciliens, heureusement que cette gestion est bonne, parce que c'est ce qui nous permettra de faire mieux encore demain. Voilà, merci pour votre attention. Je vous